Aux yeux des Chinois, le Yunnan est sans nul doute la région la plus colorée du pays. De nombreuses minorités nationales cohabitent dans cette province. Aussi, que ce soit par les paysages ou le folklore, le Yunnan offre un spectacle sans cesse renouvelé, mêlant le mystère à la beauté. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être guidés par une jolie fille du Yunnan. Mais où est donc Tian Xiao, notre détective en gastronomie ?我也找了一个帅哥，待会儿见他的时候啊，一定要有心理准备啊。二师哥，云游四海，踏遍八方，本人吃哥吃喝至上。哎，不过跟大家交代一下啊，我这个吃呢，它是吃饭的吃，可绝对不是痴呆的吃。 旁旁妹，哎，初次见面啊，你看咱们今天是去吃呢，还是去吃呢，还是去吃呢？吃吃吃，你就知道吃，你真的是个白痴啊你！不，这民以食为天，当然吃为先了。这样吧，啊，翻过这座山呀，啊，有一个屋宇树为林，人与茶相伴的美丽布朗族山寨。啊，果真如此。那是啊，带你看看。快走！Situé dans le district de Lansang, Mangding est le village principal des Boulans. Peut-être n'avez-vous vu ce genre d'endroit paradisiaque qu'au cinéma. Dans ce genre d'endroit à l'abri de tout vacarme, où la vie est paisible et où l'on entend des rires à la ronde, tout esprit agité peut trouver la sérénité la plus totale. Il va de soi que ce genre d'ambiance ne peut que nous rendre attrayant le mode de vie des Boulans. Le village de Mangjing possède la plus célèbre plantation de thé à flanc de montagne de tout le district. Il est d'ailleurs intéressant de noter que tandis que les femmes font la cueillette, les hommes restent à la maison et gardent les enfants. Il faut savoir enfin que l'on ne compte que 80 000 poulains en Chine et que 95% d'entre eux vivent dans le Yunnan. En bref, Mangjing est l'endroit idéal pour comprendre le mode de vie des poulains. 这个是什么呀？啊，这个你们都不知道？嗯，这个就普洱茶呀。普洱茶？啊，哎，普洱茶不都是一块一块的吗？这个是散茶。啊，这是散茶。哎，对了，我带你去喝那个布朗族人特有的烤茶。啊，好，走走走。Quoi de plus ordinaire que le thé? Tout le monde sait que le thé est la boisson nationale chinoise. Cracotte est sûrement en train de jouer un tour à Hachu. <音>哎呀，您唱的真好听啊，你唱的真好听。这个呀，就是布朗族特别有名的烤茶。而且我觉得你选这个地方特别好，那是。小木屋子里边，火堆旁边，然后两个老婆婆在说着我听不懂的话，就好像是在童话故事里一样。诗情画意吧？是是是。我告诉你啊，他们刚刚双手给你奉茶，然后还唱了这个歌，那可是最高礼节呀，就是欢迎这个远方而来的朋友。是吗？哎，谢谢啊，谢谢。 Comme les autres ethnies du Yunnan, les Boulans ont une prédilection pour le thé. Cependant, à la différence du thé torréfié de l'ethnie Hua, qui utilise des woks en fer, les Boulans utilisent de petits pots de terre cuite. Mais attention, il s'agit d'une terre rouge du terroir, riche en fer et perméable à l'air. En fait, l'acidité de cette terre permet de neutraliser l'alcalinité du thé et, conséquemment, d'éliminer sa saveur âcre. D'abord, on place un morceau de charbon ardent dans le pot en le passant partout. Une fois que les parois sont chaudes, on retire le morceau de charbon et on pose le pot près du feu afin que les parois extérieures soient brûlantes. C'est à ce moment-là que l'on met les feuilles de thé pour les faire griller. Puis on ajoute l'eau dans le pot et on laisse bouillir. La boisson ainsi obtenue aura l'arôme du thé enrichi d'une légère odeur de brûlé. Vous aurez beau avoir bu tous les thés chinois, celui des Boulans restera tout à fait à part. <音>好喝，这味道从来没喝过。我说奶奶，这到底是什么茶叶啊？不行啊，毛妹，这个说的还像念经一样，我还是听不懂啊。奶奶的意思啊，就是说你喝的这个是古茶。古茶呀？啊，就是在那头有一个千年万亩的古茶园。
千年的茶树是吗？是啊。哎呀，哎，咱们得去看看。哎，别喝。Les Boulans cultivent le thé depuis 1800 ans. Cela fait donc très longtemps que les Boulans cohabitent avec les théiers et qu'ils en vivent. La variété locale est un arbuste de haute futaie. Comme sa croissance est lente, il ne peut y avoir que deux cueillettes par an, à savoir au printemps et en automne. À Jingmai, la culture du thé est omniprésente. Aujourd'hui, Krakot et Hatcheux se trouvent dans une plantation de plus de 666 hectares, dans laquelle chaque théier est plus que millénaire. 1800 ans de 古茶树的树叶，这么大一片。这些古茶树啊，可稀奇了，不是经常有，而且非常的名贵。你看这叶子，跟其他那些茶叶都不一样吧？不一样，因为它是属于乔木。这个呀，不仅可以喝，还可以做菜呢。De la cuisine au thé。Hatcheux n'en avait jamais entendu parler, ni vu, ni même imaginé. Et oui, ce sont bien des plats faits avec du thé. On connaît bien les crevettes au thé Longjing de Hangzhou, mais chez les Boulans, on peut faire tout un banquet avec du thé. Aujourd'hui, je vais vous faire le plus délicieux et délicieux.但是这茶叶能吃吗？能啊，这不都是菜吗？来，先吃这个，这个。好，这个是什么？这个叫凉拌茶叶。先尝尝啊。哎呀，猫妹，这实在是太神奇了啊！来，我跟你讲啊，我这刚刚入口的时候呢，还觉得它有一点酸，有一点苦，有一点涩啊。但是就当我刚要把它往外吐的时候，我突然间发现来了一点甜味儿，然后我就接着嚼，我嚼啊嚼啊嚼啊，我嚼啊嚼啊嚼啊，突然来了一股清香，哎呀，这清香实在是太突然了，也太美妙了，我感觉就好像是自己走在一条刚刚下过雨的乡间小路上一样，那一份清新的空气是扑面而来，是擦面而去，我就感觉自己浑身每一颗细胞都好像是沉浸在这清新的空气当中一样。哎呀，实在是太美妙了，实在是太沁人心脾了。告诉你啊，这可是1800年的古茶树的茶叶，它生长的地方那是云雾缭绕，空气清新啊，多有口福啊你。哎，但是我告诉你，这个做起来特别的简单，就把茶叶啊用水一焯，然后用他们当地的小米辣拌在一起，这就可以了。Si l'on cuisine le thé, c'est en raison de sa saveur légère.Comment un plat possédant une telle saveur ne serait-il pas frais? Par ailleurs, comme le thé est riche en acides aminés, mélangé à d'autres ingrédients, il fait ressortir toute la saveur du plat. Ayant une longue pratique dans ce domaine, les Boulans ont donc percé ce secret, et le thé est devenu un ingrédient indispensable à leur cuisine. Il nous est inutile de parler ici de tous les avantages du thé. En effet, il n'y a qu'à constater la longévité des Boulans pour comprendre.这些都是小菜，我给你介绍个大菜啊。这个菜啊特别有来头，你知道吗？这个叫包菜，来。这里边肯定有大米啊。然后呢，还有一种淡淡的中药的味道，是吧？不是啊，是茶叶。是吗？这个菜呀、叫包菜啊，那可是布朗族人最有名的一道大菜。是吗？只有老人过寿的时候才能吃。哎呀，要不就是供佛。哎呀，平时啊，一般情况下他15天才做一次。啊，哎，我告诉你啊，这个菜呀、它的做法也非常的有讲究。Si la réalisation de ces papillotes de riz n'est pas très difficile, les ingrédients sont nombreux et variés. Il y a du riz, du porc, du thé, du gingembre, de l'ail, du piment, de la vanille, du fenouil, des pousses de bambou et une dizaine de plantes médicinales chinoises.On hache tous ces ingrédients et on enveloppe le tout dans une feuille de bananier avant de passer à la cuisson vapeur, lors de laquelle toutes les saveurs vont s'amalgamer. Ah, 你尝尝呀。莫非是这大米跟茶叶一混合，它出中药的味道了？肯定是化学反应啊！是用手抓还是用筷子啊？用筷。啊，你尝尝啊。那个有中草药的味道，还有肉香，肯定有肉，有这个米香。还有茶香啊，这几种味道呢，它的层次又非常的分明啊，
这个肉香刚去，是菜香就来，这几种味道就好像是在我的这个舌头上开始跳舞，开起了大 party 一样。而且啊，真可谓是一波还未平息，是一波又来侵袭啊！啊，对不起，是一香还未平息，是一香又来侵袭啊！我得再让他们侵袭我一下啊！En fait, la réalisation de ces papillotes exige une grande précision. En général, ce sont les femmes âgées et expérimentées qui s'en chargent, car elles connaissent les quantités précises de chacun des ingrédients, garantissant par là même des papillotes on ne peut plus traditionnelles. 多好的一道大菜呀！你知道吗？我两年前就听说这个菜了，两年呀！我等得多辛苦，一年有365天，两年是多少？700多天了。我今天终于可以。Atchou, atchou, qui t'a dit de te goinfrer de la sorte? Cela ne pouvait que t'attirer des ennuis.就是有一种药，做好之后给它埋在那个地底下，功效真的是非常神奇。哎呀，这肯定是个宝贝，我打开看看。哎，我说，啊，猫妹，是这个吗？是啊，就是那个了。这看上去好像是茶叶呀、啊，这个怎么吃啊？哎呀，含在嘴里边吃、啊。含在嘴里。哎呀。嗯。哼哼，这个呀就是布朗族的腌酸茶，嗯，平时都是用来供神、求福，还有供茶神用的。嗯。它的制作工艺啊，那可是非常的神奇啊。Le thé aigre peut faire penser aux choux aigres et marinés du nord du pays, mais avec néanmoins de grosses différences, puisque l'on n'utilise ni sel ni vinaigre. Après avoir lavé les feuilles de thé fraîchement cueillies, on les presse dans un tronçon de bambou. Puis on ajoute un peu d'eau et on bouche le bambou avec une levure liquide avant de l'enterrer. Après 15 ou 30 jours, les feuilles de thé vont fermenter. Il faut alors bien les mastiquer si l'on veut humecter la gorge et rafraîchir l'organisme.哎，猫妹，你不知道啊，我把它刚放嘴里的时候吧，就是又苦是又酸呐、啊，这酸的把我这牙根都酸倒了，把我这舌头都酸没了。现在呢？但紧接着呢，我就感觉这嘴里好像有冰块，再慢慢的呢，我就觉得这嘴里和这喉咙里到处都是冰块。现在你不知道，我感觉这里冰冰凉凉的，那叫一个舒服，太舒服了。哎，猫妹，我这病好了，啊，太好了！哎，我好了，哎。我看你是装病吧。哎呦，还虚，还有点虚。行，你说吧，还想吃什么？我吃肉。嗯。哎，那。Jusqu'à maintenant, toute la cuisine que nous avons passée en revue était végétarienne. Pour satisfaire sa gourmandise et redonner du tonus à notre convalescent, Tracotte a décidé de lui préparer du poulet aux pâtes de crabe. Un nom bien prometteur.这个是驱毒的啊，这个姜叶是散气的，还有姜苗驱降火，
还有呢，这个香叶消炎去肿，柠檬叶，这个是通气的。哎，你吃了那么多，我想你一定可以延年益寿，身体强壮。哎，这年头抓鸡也是个技术活啊！阿毛妹，鸡抓来了，开始做吧。那不行，还缺了非常重要的一味药。还缺？嗯。还缺什么呀？螃蟹脚，专门给你治身子虚的。别开玩笑了，这上哪儿去找海鲜还螃蟹脚？ La pâte de crabe en question n'en est pas une. C'est en fait une plante médicinale qui pousse dans la région. Apparemment, c'est un ingrédient indispensable. 哎呀，猫妹啊，嗯，你说你光说让我找螃蟹脚，也没告诉我螃蟹脚长什么样子，是不是？螃蟹脚，那肯定是因为长得像螃蟹的脚，因此而得名啊。你先找一看看呢，这个。哦，这个就是。我看看。啊，你别说，长得还真挺像螃蟹的脚的。哎，我告诉你啊，这个螃蟹脚专门就寄生在这个古茶树上，嗯，而且只有千年的古茶树才有，还有就是只有仅卖的古茶园才有螃蟹脚。是吗？所以珍贵啊，不然能1800块钱一公斤，啊，你明年来还得涨价。是吗？嗯。哎呀，这东西我得多采点，我得多吃点，这东西吃完了还不得把我补大了。Les pattes de crabe ne font pas partie de cet œillet. C'est en fait une plante parasite qui pousse sur leurs branches. Les spécialistes chinois connaissent aussi cette plante sous le nom de chajong. L'eau dans laquelle on fait macérer la plante prend un arrière-goût sucré. Les pharmacologues chinois attestent qu'en plus d'être très nutritives, les pattes de crabe ont des vertus anti-inflammatoires, digestives et diurétiques.Mijoter un poulet aux pâtes de crabe est donc excellent pour la santé. Hey, Amomé, hey, 我找到一个特别大的螃蟹脚。你小心点，别摔下来。哎呀！吃吧，螃蟹脚炖鸡，咱们刚刚摘的那个。有降血压、降血脂和降血糖的三降功能。哦，对了，还可以养颜，还可以补气。你不是身子虚吗？好好补补。有劲了，太好了，这终于可以补一下这个。哎，陈猫，这螃蟹脚好啊。这螃蟹脚呢，我就感觉呢，它这个口感呢，有点像咱们吃这个蕨菜。嗯。但是呢，它又比蕨菜呢，又更加的有韧性。而且呢，还有那么点脆脆的感觉。而且螃蟹脚的这个味道全都跑到鸡肉里了，不管你是吃这个第一口还是吃最后一口，这味道都不变。嗯，你吃点蘸料呀。啊，这个呀，我找的可不容易了，几十种中草药和云南特有的小米辣在一起冲拌成的。Pour déguster ce fameux poulet, il est indispensable de préparer la sauce et le piment. Cracotte a cherché pendant des heures toutes les plantes nécessaires.Puis les a broyés en ajoutant beaucoup de piment. Et pour ce qui est du goût, eh bien. Oh, oh, hey, Ay, 这个蘸料，这个小米辣实在是太辣，你知道吗？啊，这辣的我舌头都着火了，就感觉呢好像是有什么东西在咬我的舌头一样。但是你别说啊，我这一呼气一吸气呢，都能够感觉到一种香味儿。一种中草药的香味，还有一种淡淡的茶的香味，哎，辣得好，辣得我是，神清气爽，这感觉浑身都是劲儿。有劲儿。你知道我现在想干嘛吗？想干嘛？我现在浑身就是劲儿，我就想打人的。Non content d'avoir une gastronomie particulière, Anlou est connu dans toute la Chine pour être le pays du ginkgo. Dans ces forêts de ginkgo.Qui sont très rares dans la plaine centrale, il est courant de voir des arbres de plusieurs centaines d'années, voire davantage. Entre septembre et octobre, les fruits de ginkgo sont mûrs et prêts à être cueillis. Même si nous ne sommes donc pas là à la bonne époque, on peut toutefois déjà apercevoir les prémices des bourgeons. Le problème à présent est de savoir où l'on pourra manger quelque chose à base de ces fruits. C'est très cool.这个银杏果又叫白果嘛，这个大家都知道，它既可以入药也可以入食，所以我觉得虽然现在看不到成熟的银杏果，
但是吃应该是可以吃到的。大娘，哎，摘菜呢？哎，啊，我打听一下，哎，我看咱这银杏果啊，哎，结的满山遍野的都挺多的。哎，我想问问上哪能吃到这银杏果做的菜啊？走到山下子有啊。到山下就有是吧？啊，哦，好嘞，谢谢您啊。啊。哎，哥们儿，来跟您打听一下，你知道咱们这儿啊？哪个地方能吃到这个银杏果做的菜？四大金刚呗。四大金刚啊，都去过吗？你们一家？啊，没去过。去过是吧？啊，哦，全国有200多家店嘞。哦，好嘞，那谢谢您，您去过吗？我去过。好嘞，好嘞，谢谢啊，您是当地人是吧？啊，是的。好，谢谢，谢谢啊，哎，谢谢，哎。Les quatre jarres d'or, quel genre de cuisine font-ils? Et qu'est-ce donc ces quatre jarres? En fait.Il faut savoir que leur cuisine tourne autour de quatre jarres. On raconte d'ailleurs que c'était jadis un petit restaurant qui ne proposait que quatre plats mijotés dans quatre grandes jarres. On pouvait y manger à tout moment de la journée et l'établissement était des plus prospères. Un jour, un célèbre lettré passa devant le petit restaurant et, attiré par la bonne odeur, s'y arrêta pour déjeuner. Après son repas, il félicita le patron.Et lui demanda pourquoi il n'avait pas accroché d'enseigne. Voyant les quatre grandes jarres, le lettré proposa au patron de baptiser son restaurant les quatre jarres d'or. Le patron lui en fut très reconnaissant et accepta son offre avec enthousiasme. Hey, 师傅，听说咱这有一个菜里边放的银杏是哪个菜？对，吃这道菜，九品一缸香。九品一缸香是吧？那姑娘说对了。Tian Xiao a enfin trouvé le restaurant en question.Outre les plats des quatre fameuses jarres, le restaurant propose aujourd'hui 8 autres plats, dont la viande à la laitue, la viande frite à l'œuf, etc. Si ce restaurant est si apprécié, c'est aussi parce que le service sort de l'ordinaire. Ailleurs, les clients ont l'habitude de commander des plats que toute la tablée se partage. Mais ici, cela ressemble plus à un self-service, et les spécialités locales sont ainsi servies dans des bols individuels.Ce sont donc tous ces plats mijotés dans des jarres en grès qui sont le point fort de cette adresse. Ah, 饭啊，各位！哎呀，我先尝尝什么呢？我当然得先尝尝这个九品一缸香啊，因为这里面有我苦苦追寻的银杏啊。而且它这个菜呢，一上来一打眼我就发现这里面有什么啊？有猪蹄子，有猪尾巴。有猪大肠，还有猪肚啊，这四样东西呢，可以说是猪身上口感和味道最好部位的其中之四了。而把这四样东西放在一起呢，我还是第一次吃到啊，所以呢，我先尝尝。La jarre aux 9 ingrédients, on comprend de suite de quoi il s'agit. Plus concrètement, il faut un pied de porc, une queue, un gros intestin, des tripes, du gingo, des carottes, du navet, du maïs et des pousses de bambou.On cuit d'abord tous les morceaux de porc dans de l'eau pour éliminer les impuretés et les odeurs désagréables. Ensuite, on les fait sauter avec de la sauce au soja. Une fois que les morceaux sont bien imprégnés de sauce, il faut encore les faire cuire une demi-heure dans une jarre avec du ginkgo, des carottes, du navet, du maïs et des pousses de bambou. Sans oublier d'ajouter quelques ingrédients secrets.Les différentes saveurs de porc et de légumes ont parfaitement fusionné. Il faut savoir que tout en rendant le porc moins gras, les légumes s'imprègnent aussi de sa saveur. De plus, le ginkgo joue ici pleinement son rôle, puisqu'il renforce les différentes saveurs. C'est un pur délice.好吃啊！这个肉呢是越嚼越有嚼头啊，而且呢你越嚼越发现啊，它这个肉的鲜香之气呢呈叠加累加之势啊，是层层上窜的。而当你以为呢它这个肉的鲜香之味达到极点的时候呢，哎，这个时候银杏的味道它就出来了，它这个略苦又微香的这个气味呢，把这四层肉香是一穿到底。这个时候呢，这道菜它精妙味道所在，你才算是完全的领略到啊。嗯，我再尝尝下边这个啊。刚才我发现点击率
非常高的一道菜，叫做吉祥三宝翡翠肉啊。Les gens de Hanlou ont une prédilection pour les viandes tendres et fondantes. Que ce soit pour les fêtes de fin d'année, les anniversaires, les noces ou les repas officiels, ce genre de plat est indispensable. On dit d'ailleurs que sans viande tendre, il n'est point de banquet ni de respect pour les hôtes. La viande au jet de verre est ainsi un plat très populaire à Hanlou. Mais rien qu'à voir le nombre d'ingrédients et de condiments, on comprend que ce n'est pas une mince affaire. On prépare donc du porc entrelardé, des œufs de caille, des châtaignes d'eau, des carottes, du saucisson, du concombre, des œufs et de nombreux autres condiments tenus secrets. Dans cette liste, il faut savoir que les œufs de caille, les châtaignes d'eau et le concombre constituent les trois ingrédients principaux. On mélange les morceaux de porc entrelardé avec des œufs, de l'amidon, du sel, de la sauce au soja, du vinaigre, etc. Quand les trois ingrédients clés sont bien mélangés, on les frit dans de l'huile. Dernière étape, on les cuira encore une trentaine de minutes avec des œufs de caille, des châtaignes d'eau, des carottes, du saucisson, du concombre et du gingembre. Voilà un vrai kaléidoscope de saveurs plus délicieuses les unes que les autres.经过的每一处呢，都留下了浓浓的、非常特别的味道。这个味道里面呢，饱含着蔬菜的清香，饱含着肉的鲜香，同时呢，还饱含着一种微微的甜香。哎呀，这三种味道，它是在嘴里更贴交替。哎，而且我发现吧，单吃菜和就着这个米饭吃这个菜吧，它这个香味又不一样。因为它这个米呢，它是用木桶蒸出来，是吧？木桶饭，所以呢，这个米香呢，会把你吃到这个菜的鲜香之味呢，给它层层的烘托住。 啊，还要说一点啊，其实呢，这个四大金刚呢，不仅仅在安陆可以吃得到，在全国很多地方呢，你也能够吃得到啊。但是我觉得还是在安陆吃到的要更为正宗一点呢。其实呢，我觉得啊，安陆这个地方呢，不论是文化还是美食还是美景啊，那都是非常丰富的。可能呢，之前大家对安陆的了解不太多，但是呢，我相信这次呢，您跟着我一起走进安陆，品尝了它的美食，看了它的美景。 感受了它的文化气息之后呢，你肯定会对安陆有一个更深入的了解了啊。今天在我即将离开安陆之际呢，我觉得总应该留点什么给自己作为纪念，所以呢，你看，哎，我就买了一口大缸啊，以后我就可以用它来烹饪我的美食了。好了，奶奶，拜拜啊。